Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un gratin saumon poireau. Pour la cuisson, on va utiliser dans un premier temps le Cookeo et ensuite on utilisera le couvercle Extra Crisp. Ceux qui n'en ont pas, vous pourrez très bien finir la recette au four. Alors pour cette recette ici, j'ai 600 g de poireau, c'est du poireau congelé. Si vous avez du poireau frais, bien sûr, mettez du poireau frais. Là j'ai 70 g de gruyère râpée, 250 g de filet de saumon que j'ai coupé en morceaux. Eh bien, je croyais qu'il me restait un oignon, en fait il ne me restait plus, mais j'en ai toujours au congélateur. Donc j'ai pris là 100 g d'oignon congelé. Si vous avez de l'oignon frais, vous mettez de l'oignon frais. Là j'ai 200 g de crème fraîche et puis une cuillère à soupe de moutarde et je les ai mélangés. Là vous avez 30 g de beurre. On va mettre du sel, on peut mettre du poivre aussi, c'est selon la tendance de chacun. Et puis là j'ai préparé un bouillon avec 100 ml de vin blanc, 200 ml d'eau et un cube de bouillon de légumes. Et bien c'est parti pour la recette. On va se mettre en mode manuel et en mode doré. Et puis je vais mettre le beurre dans ma cuve. Allez, mon beurre est fondu, je vais faire revenir les oignons. Je vais maintenant ajouter le saumon. J'ajoute maintenant les poireaux. Allez, je vais saler un petit peu. Je vais mettre un peu de poivre. Je verse mon bouillon. Et on va programmer une cuisson. Oui, on n'a pas encore atteint la fin du préchauffage de la fonction dorée, c'est pas grave. Je vais arrêter la fonction dorée. Je vais passer en cuisson sous pression, cuisson rapide. Là, je vais mettre 10 minutes de cuisson. Je fais un départ immédiat. La première partie de la cuisson est terminée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais égoutter ma cuve. Voilà, plusieurs opérations. J'ai nettoyé ma cuve. Je l'ai remise dans le Cookeo. Et là, on va arrêter le Cookeo. Je vais même le débrancher. Voilà, j'ai déposé dans le contenu de la cuve du Cookeo que j'ai goûté, eh bien, dans un plat qui va dans mon Cookeo. Donc c'est un plat qui va au four également. Si vous n'avez pas de couvercle d'Extra Crisp, eh bien, vous pouvez faire la recette, finir la recette, eh bien, au four. Maintenant, je vais ajouter mon mélange crème fraîche moutarde. Je vais mélanger. Je vais maintenant saupoudrer avec mes 70 g de gruyère. J'ai déposé mon plat dans la cuve du Cookeo. Donc vous, si vous avez un four, vous mettez dans le four. Maintenant, je vais installer le couvercle Extra Crisp. Je le branche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le menu 2. Donc j'appuie sur menu. Et puis là, on me propose 15 minutes. Et bien, je vais mettre dans un premier temps 15 minutes. Donc j'appuie sur le petit timer ici. Et je fais start. Alors pour ceux qui feraient la cuisson au four, bah, vous faites 15 minutes à 200 degrés. Et bien voilà, la cuisson est terminée. Pour répondre à quelqu'un qui me suit fidèlement depuis quelques temps maintenant, pour Steph, je vais enlever comment mon moule? Eh bien, je vais prendre des maniques en fait. J'avais
je t'avais répondu dans un commentaire que j'allais prendre des pinces à cornichons, mais dans un premier temps, je vais essayer tout simplement avec des maniques. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt.